So many pieces all back together now. What's your vision? Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu en avance la coque qui va servir à protéger le Galaxy Note 8. Car comme vous le savez tous, aujourd'hui, le Galaxy Note 8 n'est pas encore sorti. Il sortira que le 15 septembre. Mais j'ai reçu une housse de protection pour celui-ci. Je tenais à vous la présenter pour que vous puissiez voir un peu en détail les différentes ouvertures. J'ai trouvé ça assez intéressant. Alors c'est la société Casology qui me l'a envoyé. Je voulais vous en faire profiter. La vidéo va être courte. Il y aura un deuxième produit présenté à la suite. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. L'emballage de la coque en question. Et on va faire l'unboxing ensemble. Le boîtier représente la housse en façade. Et à l'arrière aussi. Donc on a la housse qui est protégée dans un plastique avec un petit dépliant qui explique certainement la société Casology. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description si vous voulez aller vous renseigner, car cette housse est vraiment de très 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 bonne facture puisque c'est une housse tout en cuir. Elle va protéger l'arrière et les côtés, tous les contours du Galaxy Note 8. Le côté cuir va correctement protéger tout l'arrière de votre Galaxy. On peut voir en haut une très large ouverture qui va permettre de laisser apparaître le double capteur photo plus le lecteur d'empreintes. On part dessous la housse. On va apercevoir qu'il y a trois ouvertures. On va avoir en bas à droite l'ouverture pour laisser l'haut-parleur libre. Au centre, l'ouverture qui va permettre de laisser passer le câble pour recharger notre Galaxy Note 8. Et juste à côté, le petit cercle qui va servir à mettre notre casque en jack. Car, comme vous le savez, si vous avez suivi les actualités, le Galaxy Note 8 possède lui encore un port jack. Si on part sur les côtés, côté droit de l'appareil, on s'aperçoit que on va avoir la possibilité d'avoir le bouton marche arrêt. Ici, on pourra l'actionner à partir de la housse. Et sur le côté gauche, on voit aussi ici les deux boutons pour actionner le bouton volume haut et volume bas. Juste dessous, on voit qu'on pourra actionner le bouton Bixby qui est un peu plus haut que sur le Galaxy S8 et S8 Plus. On regarde par rapport à la grandeur de l'iPhone 7 Plus, par rapport à cette coque, on s'aperçoit que le Galaxy Note 8, on peut voir que il y aura peut-être un demi millimètre de plus. Voilà pour la présentation de cette coque. Bien sûr, je vous la présenterai avec le Galaxy Note à l'intérieur. Je vais normalement en avoir un en prêt et je pourrai vous montrer le résultat une fois le Galaxy Note à l'intérieur. Elle va englober l'intégralité du Galaxy Note 8. Et on peut voir ici que c'est vraiment du cuir et ça protégera le côté envers de notre Galaxy Note 8. Alors pour la deuxième présentation de produits, je vais vous présenter un micro cravate compatible iPhone, iOS et Android, tout type de smartphone et de tablette avec un jack filaire. Vous allez pouvoir, grâce à ce micro cravate, créer des vidéos comme je le fais actuellement sur YouTube ou pouvoir faire des podcasts. Ce micro cravate, je vais vous le déballer tout de suite. Il est dans une boîte noire, toute sobre, avec marqué donc de la marque Tonor. Ce micro cravate va me servir pour faire les prochaines vidéos. Donc on va le déballer ensemble. On va avoir une petite sacoche de transport. C'est vraiment pas mal fait de la part de Tonor de nous laisser une petite sacoche de transport. C'est vraiment sympa. Alors c'est bien pratique au niveau du transport par rapport à notre micro cravate. Il va être à l'abri des chocs et éventuellement, s'il pleut, de la pluie. On va sortir notre micro cravate. Et le voici. Donc on est sur un petit micro avec sa petite bonnette.
Si on enlève la petite bonnette, voilà ce qu'on rencontre. Hein. Alors je vous le montre de très près. Alors notre petit micro va nous servir à faire des enregistrements vidéo ainsi que des enregistrements de podcast avec votre iPhone ou même prendre des notes à partir du dictaphone. Alors comme je vous disais, c'est un port jack 3,5 qui va aller donc sur toute tablette, tout smartphone équipé d'un port jack. Je vais donc dans la prochaine vidéo l'utiliser et vous me direz si le son a été meilleur au niveau de ma vidéo. Donc ici on a une petite pince, je pense qu'elle tiendra parfaitement bien au niveau d'une cravate ou d'un col de chemise. Voilà donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo. Pensez bien à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications lors d'une prochaine sortie de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous!